Aujourd'hui, nous venons faire une conférence de presse concernant toujours la situation du secteur de la pêche. Vous connaissez, nous entourons avec la mer, c'est un secteur qui est la pêche. Et évidemment, nous avons un ministère qui appelle le ministère de la pêche. Et les tristes aujourd'hui pour dire que le ministère lui-même n'est pas occupé de sa fonction comme on besoin. Et d'ailleurs, nous avons beaucoup de problèmes dans ce milieu-là. Et moi, je ne connais pas qui fait sa communauté-là. Je ne sais pas si sens pour se dévoluer et pour se sortir de sa situation qui je peux faire face. Qui fait un énorme ministère de la pêche là, c'est pour écoute de doléance de pêcheur. Alors, le ministère dit, son rôle, c'est écoute de doléance de pêcheur et après pour exécuter sa bande doléance là. En termes, par exemple, nous à l'école, qui t'y besoin ouvert pour donner aux enfants formation pour faire sortir et comment dire d'Alagon à la pêche au tiers et pour qu'ils comment dire une bande de légal une façon de dire et l'école pas ouverte, l'école fermée, dit bien triste. C'est sa même responsabilité sur le ministre, le ministère, c'est pour comment dire surveiller, sauvegarder une façon de dire c'est cette communauté et pour comment dire donner l'opportunité pour être capable de vivre aller. Deuxième, nous avons un gros problème, nous avons un problème qu'on appelle radio. Ben, radio, on appelle ça dispositif de consentement de poissons qui mettait dans haute mer. Je vous dis comment on peut tout derrière. Moi, on a un plaisir de gros bateau et ça tassé l'eau la côte. Je ne suis pas capable de sortir parce qu'il paye dans radio en mer. Et d'après politique gouvernement, tu es bien mettre ça radio là pour qu'il ben puisse sortir dans la gomme pour la pêche autour de ça radio là. Et ça radio là, c'est productif. En termes, comment dire, quand on met zut dans l'autre mer, il y a beaucoup de petits poissons qui viennent zut les tout. Et évidemment, il y a un gros poisson comme un thon, dorade, péking, l'empereur. Et il y a là-bas une pêche, il y a la pêche, ça va être poisson là. Alors, c'est qu'arrivé, je dis, le ministère, des papiers assument son fonction comme le ministère de la pêche pour capable, comment dire, délivrer the good, comment dire, donne l'opportunité à une pêche pour, comment dire, gagner, profiter d'une zone économique exclusive. L'Issagrina, je dis, quand nous guettons nos secteurs, comment on peut détériorer, et les malheureux aussi qui nous prennent une bonne volonté de bonne politique pour capable, comment dire, mettre nos secteurs en rail d'une manière bien que les gens soient capables de vivre. Concernant la ferme Thiaouit dans Maurice, c'est une mauvaise décision que le gouvernement fait prendre. Parce que tout le temps, nous vivons dans la mer. Nous connaissons comment pour bien opérer dans la mer. Ce qui n'est arrivé, le gouvernement prend une décision que nous ne connaissons pas que nous étions là actuellement. Parce qu'on fait fermer la pêche au huit, peut-être quand pour ouvrir, pas pour connaître comment pour la pêche. Parce qu'il n'y a aucune technique pour la pêche au huit. Nous contexte, tout le temps nous disons ça, nous contexte c'est différent, il n'est pas pareil comme Rodrigue. Rodrigue, lui, quand c'est la mer sec, comment dire, colta, tout le monde morceau là. Ça c'est un. Et deuxième là-bas, il y a un monde spécifiquement, ce domaine puis au huit. Ici, ce contexte n'est pas pareil. Ce qui peut arriver, c'est quand la pêche a ouvert, nous besoin retombe dans un système illégal parce qu'il nous fait besoin la pêche illégale. La pêche au riz dans Maurice, tout le temps qu'il fait, nous la pêchons illégalement. Illégalement veut dire c'est qu'il te besoin plonger pour aller en bas la mer, pour aller piquer. Parce que la cause, nous la mer est profond. Nous ne sommes pas capables de manger au récif pareil comme Rodrigue. Et nous avons envie de faire ressortir. Maintenant, je ne comprends pas comment je pense à cette décision-là. Nous avons une convention ici, nous avons besoin de l'idée pour nous protéger nos corails. Où Dieu ferme la pêche au riz? Mais comment on parle de la pêche? Bizarrement, sur le corail. D'ailleurs, nos corails, aujourd'hui, dans une situation critique, nous avons besoin de protéger, pas moi, ce là. Mais on peut trouver, je peux prendre une décision, comment dire, dans une, pas correcte, une façon de dire. Maintenant, nous finissons prendre, nous perdons challenge à la loi, là, dans la zone qui peut venir. Qui fait? Parce que nous avons une réunion pour faire demander la côte. Nous finissons avec un avocat. Nous perdons tant qu'il est 15. Nous pouvons guetter comment quand ouvrir la pêche ça, comment pour la pêche ça. Parce qu'il nous connaît ici, il n'y a aucun moyen à part de plonger pour la pêche ça. Là, vous pouvez faire des gens payer avec ce système-là, qui quand on dit qu'il y a un seul moyen pour faire ce système-là. Nous avons besoin de faire une pêche légale, donner un PMI, un PCR, donner payer, comment tu dis, payer un PMI. Ça veut dire qu'il y a un système de close season. Là, un PCR, là, vous avez un PMI, vous connaissez. Là, possiblement, nous capables, comment dire, identifier combien de tonnerites nous a attiré lors de ce système qui, comment on peut dire, a besoin de plonger, piquer d'une manière juste. Nous ne pas le piquer, pas le casser, casser. Ça, c'est une bonne affaire banale, ça. Nous prenons un reportage pour nous montrer, ben, du monde, dans les jours à venir, comment nous tirons en bas la mer. Est-ce qu'ici, nous dommage, ben, corail? Il faut tout ça, là. C'est une mauvaise fausse
l'esprit qui peut mettre dans la tête du monde. Alors, nous avons souhaité que ce gouvernement-là les comprend. Et d'ailleurs, nous pouvons venir avec un système très bientôt. Nous pouvons dire qu'il faut faire la paix slavine légale. Légale, il faut donner un PCF permis. Pareil comment il donne permis la Seine. Pareil comment ben, du monde gagne un permis pour amener un touriste en mer. Il faut donner un permis. Alors, à travers ce permis-là, là, nous pouvons identifier un PCR professionnellement. Je t'allais, je travaille d'une manière professionnelle. Et là, nous sommes capables d'identifier combien de catégories pour rentrer. Et en plus, et comment on pourrait dire, nous pouvons gagner la loi, comment nous dire, et spécifiquement pour l'île. Là, nous sommes capables, comment dire, combien de PCR qui l'a fait, un PCR capable de gagner un permis officiellement.